passerai pas. Non, je fais obstruction de mon corps, monsieur. Vous savez ce que ça signifie? Monsieur Lissier, revenez. Monsieur Lissier, j'en ai pas fini avec vous. C'est mon fils qui conduit cet avion. Non. Vous êtes passé en juillet, c'est ça? Et vous êtes rentré dans le fond? Ah oui, ça j'ai pas à vous le dire. Non, en principe, vous êtes censé le faire, quoi, non? Vous êtes pas censé vérifier qu'il n'y a pas d'habitants, etc. Alors peut-être que le jour que vous êtes passé, c'est le jour où les noms ont sauté de la boîte à lettres aussi, je sais pas. Parce que fin juillet, il y avait une petite... petit morceau de bois qui était cloué à la boîte à lettres qui disait les noms des gens qui habitaient là. Non, ce serait totalement illégal de faire ça, voyons. Bah oui. Anonymiser un lieu pour pouvoir lui faire une procédure sans nom. Voyons, c'est illégal de faire ce genre de choses. C'est pas ce genre de choses. Les officiers de justice sont des auxiliaires de la justice. Ils la respectent, c'est évident. Vous gendarmes de même, pénétrer dans un domicile sans flagrant délit, ça ne leur viendrait pas à l'esprit. Dites n'importe quoi. Pour entrer dans un lieu privé, vous êtes obligé d'avoir un mandat. Non, la différence, c'est que le panneau invitait à rentrer. Ah oui, oui. Il n'y avait pas marqué, sauf... Le panneau, il n'a aucune valeur légale. Le panneau, c'est quelque chose d'humain qui parle aux humains, en fait. Ce que je trouve extraordinaire. Le panneau qui invite à rentrer là, ça parle à l'humain, ça parle pas à l'humain. Et quand ça vous va pas, vous voulez réclamer. En fait, le truc, c'est que vos règles sont prévues pour les gens qui sont la franchise, justement. Et que du coup, dans ces cas-là, vous êtes censé les respecter, vous. Vous avez des règles à respecter. Parce que vous, vous choisissez de les respecter. Celui qui a apprécié la loi et celui qui a rendu la décision, c'est un magistrat. Un magistrat qui, lui, est dans l'esprit de la loi. Ouais, mais bon. Il est là pour exécuter la décision du magistrat. S'il se trompe, vous vous trompez avec lui, quoi. Bon, c'est parti. Ah, c'est les ordres. Eh, mes congénères, hein, toutes les forêts que vous avez expulsées de cette manière, un jour cela finira, monsieur. Vous entendez? Je vous jette un sort. Voilà, vous allez grossir jusqu'à devenir énorme. Et jusqu'à ne plus personne ne vous fera des bisous. Pour vous, plus personne ne viendra vous border le soir et venir vous raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il souhaite faire le conservateur là avec le phare? Le souder et le fermer. Mais dans les années à venir? Des projets. Il y a 3 ans on avait déjà squatté et il n'y a toujours pas eu de projet. Enfin, le peu de. C'est pas facile de mettre en place des projets sur les bâtiments. Bah nous on en a plein. Là on a réussi, il y a un atelier vélo, il y a une salle de projection. Mais on avait déjà eu cette discussion il y a 3 ans. Oui, oui. C'est-à-dire que la mise en place d'un projet ça s'impose pas au propriétaire, ça se discute avec le propriétaire. Du coup, le propriétaire a le propriété. Ah ouais. C'est le concept de la propriété, mais le propriété chez moi, parce qu'il vit pas ici, je l'ai jamais vu en fait, tu vois. Il y aura un mec qui vivrait ici, je voudrais pas l'embêter, mais il y a personne. Moi, non, ça va. Ah si, vous êtes en train de revendiquer le fait que c'était construit par l'État. Moi, je revendique rien, j'explique juste. Les impôts, par nos impôts. Moi, nos impôts, je me suis pas associé à ça. Bon. Je dis que c'était les thunes de l'État. Oui, parce que je pense que vous payez pas d'impôts. Ah, vous croyez ça? Quoi? Dès qu'on achète quelque chose, on paye des impôts. De la France, 20% d'impôts sur tout ça. Ah, et depuis quand le fait de payer les impôts ou pas, ça vous donne le droit de faire ou c'est un argument dans des discussions comme ça? Tu vois, tu payes ton impôt, t'as le droit d'être, d'exister. C'est marrant entre la théorie, quoi, d'un pays, et son image et son application, sa réalité, quoi.